Everything I do, I do with finesse and grace. They was moving so slow. Petite vidéo hors jeu, hors gaming, comme vous appelez ça, où on va parler un peu de l'actualité qui s'est passée sur Twitter. Tu sais déjà de quoi est-ce qu'on va parler en bref, en i comme ma. Premièrement, Boubacaris, la base, le classique, OM, PSG. Deuxième actu, SCH, la crime. Troisième info, Squeezie. Oui, c'est vague comme titre, mais tu vas vite comprendre. Donc, première info, Squeezie. Oui, je fais pas dans l'ordre. Tu l'as remarqué ? Moi aussi, c'est pas fait exprès. Perfect. Ceci n'est qu'une interview. Oui ? Allô ? Allô ? Oui ? Qu'y a-t-il ? Allô ? Non, en vrai, pourquoi ça fait ? Je tourne une vidéo, ciao ! Non ! Restez professionnel dans n'importe quelle circonstance. Squeezie a mis un tweet qui a déchaîné la tweetosphère. Il a mis un tweet dénonçant, sans citer de blase, les gros youtubeurs à abuser de leur notoriété pour avoir des rapports avec des mineurs. Wow. Bon, déjà, c'est pas nouveau, hein. Oui et non. Parce que oui, je pense qu'ils l'ont fait sur des abonnés majeurs. Mais après, qu'ils le fassent sur des mineurs, ça, c'est un autre problème, ça, en vrai. Parce que ça, c'est limite de la pédophilie. J'ai vu des tweets de meufs, un style de tweet qui m'a... Ouh. Une meuf a mis un tweet style, oui, j'ai connu ça, malheureusement. Déjà, pourquoi tu parles ? Deuxièmement, qui est le youtubeur ? Donne des noms. Nous, on veut la guacamole avec les enchiladas. Ça va pas ensemble. Ce tweet-là m'a énervé. Et en plus, elle a mis, mais je ne citerai pas de nom. Pourquoi tu ouvres ta gueule alors ? Il faut dénoncer. Bon, bien sûr, si fait lyncher, enfin, si tu ne donnes pas de nom, nous raconte pas ta life. Bien sûr, il y a eu plein de youtubeurs pointés du doigt en mode, ouais, lui fait ça. Mais bon, il n'y a pas eu de réelles preuves. Deuxième actu. Actu bonus, prof. J'ai claqué mon prof, balayé le principal, insulté l'éducateur, nique ton père, t'es pas mon père, man. Oui, prof. Qu'est-ce qu'il fait là, prof? Prof a sorti son dernier album en 2015. Prof? Non. Prof est toujours pas là. Fin 2015, je crois, je prépare mon nouvel album, Surnaturel. Ok, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que Rof nous sort que des sons, rien, pas d'album. Et le mec, il dit, ouais, l'album arrive. Mec, ça fait 3 ans, ton album, on ne l'attend plus. Arrête tes bêtises. En plus, là, mec, c'est là, Booba, il est en prison. Il pourra pas te clasher, tu vois. Il peut pas te clasher jusqu'au 6. Jusqu'au 6 septembre, il pourra pas te clasher sur tes chiffres de vente ou quoi. Donc, sors-le maintenant. Perfect. Le sujet principal de cette vidéo est Boubacaris. Oh, but. Je ne comprends pas. Oui. Si tu vis dans une grotte, sache que Boubacaris était en clash depuis 4 ans. 1456 jours. Mais là, c'était le jour du jugement dernier. Je vous raconte les... Voici leurs histoires. Booba avait un showcase en Espagne. Caris avait un showcase en Espagne. Le showcase de Booba était là. Le showcase de Caris était là. 50 mètres qui les séparaient. 50 mètres. Malheureusement pour eux, ils ont pris le même avion. Ils ont voulu prendre. Parce qu'ils l'ont... En fait, ça ne s'est pas fait. Parce qu'ils se sont vus à l'aéroport. Et c'est là que tout a commencé. Ils n'ont pas parlé 100 ans, je sais pas quoi. Ils sont battus. Voilà. Ils se sont battus. Ils ont mis l'aéroport en bordel. Mais les gens étaient choqués. Moi, je vois Boubacaris dans le même aéroport. C'est le scénario, en fait. C'est le scénario. Ils doivent se battre. C'était inévitable. Et s'ils ne se seraient pas battus à l'aéroport, ils se seraient battus dans l'avion. Et si ça aurait pas été dans l'avion, ça aurait été au showcase. Donc, en gros, c'était inévitable. Les gens ont fait le showcase en mode, ouais, c'était daron. Mais moi, ils peuvent se battre en dehors. Ça m'a fait rire. Bon, bien sûr, ils sont en toll, hein, voilà. Perfect. Dernière actu, Niska Ayanakam. Non, je rigole. Petite actu, Niska a sorti un son. VLG, wesh le gang, wesh les gars. Comme tu veux. Actu suivante, Niska... Non, putain, mais qu'est-ce que... SCH, la crime. Souvenez-vous, SCH avait dit dans un morceau d'il y a un an... Hier, je t'ai offert un verre. Je voulais baiser ta femme.
Ouais. Mais les tweetos ont dit que cette phrase, en fin de compte, était pour Lakim. Apparemment, les gens disent que la baiser, SCH a fait le sale à l'ex de Lakim. Mais on sait pas si c'est un vrai clash ou quoi. Mais Lakim, il a commencé à retweeter toutes les personnes qui insultaient SCH. Est-ce qu'il y a clash? Est-ce qu'il y a pas clash? On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. On spécule, on sait pas. Affaire à suivre. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, je me suis bien amusé à faire cette vidéo, pardon. Voilà, donc si t'as fait la vidéo, tu mets un pouce en l'air. Ah ouais! On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tu vas en bas, tu lis la description, tu lis Snap, Instagram, boum, tu follow, c'est gratuit. Ciao, love, même, je t'aime, je drive by on the end. Que je fais de ma vie. I go where the money go. I'm a long cash Monte Carlo.